Merci beaucoup. Et les gens ont tous ces attributs et puis on a un rival dans ce pays. Bref, là n'est pas le sujet. Alors, qu'elle soit légale ou pas, la polygamie existe dans nos sociétés africaines et elle est pratiquée d'ailleurs. Cependant, est-ce que nous devons nous inquiéter lorsque la nouvelle femme de monsieur est plus fraîche, plus canon, plus sexy que la première? Aborder des sujets qui vous intéressent, forcément, c'est notre dada, vous le savez bien, donc on vous donne rendez-vous dans l'instant débat pour en découdre. Et à retrouver aussi dans cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, le clin d'œil à la fête de Ramadan à travers une invitée de taille que nous allons recevoir sur ce plateau, la minute Massaï, bien évidemment, le selfie paparazzi avec Patricia Quadio. Sur ce, on vous dit, madame, monsieur, bonsoir. C'est ton DJ, il va te faire kiffer un max du son sur les pétines. Attends, mais je suis garée. Il y a quoi? Tu as prêté à Bila, il y a un souci. Elle a dit, s'il te plaît. Nous, on a fait, il a fait le tour le matin là, de la nouvelle mosquée de Makori. Là. Mm. On a fait 5 fois le tour. Et quand tu fais 5 fois le tour, on t'appelle elle a dit. Mais, je ne sais pas. C'est pas facile. Hein. Petit manger, manger là, tout est parti. La team de ce soir est composée de Patricia Quadio et aussi d'Abraham Le Merveilleux. Ce soir, Patricia Quadio, ton nom c'est Ce soir-là, je suis... Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de prénoms. Même si on m'appelle Village Léon pour manger. Alors ce soir, c'est Madame Sangaré. Je vais très bien, merci, c'est mercredi. Avec mon aura, le selfie paparazzi. Dans un court instant, on va rencontrer l'unique qu'on cherchait depuis là. On l'a retrouvé maintenant, il va nous dire où est-ce qu'il était. Et puis merci à Ange Dadi, à Kriloba, mon styliste fidèle Malo, pour cette très belle tenue. D'accord. Alors, monsieur Sangaré. Oui, oui, El Hadj, s'il te plaît. Ah, El Hadj Sangaré. Avec vous, on va retrouver beaucoup d'ambiance. Beaucoup d'ambiance. Avec nous, c'est la fête. Biébi. Ah, bien, bien. Alors, moi, avant qu'on parte ce soir, je voulais profiter de votre présence pour faire un petit communiqué. Oui. Parce que j'ai fait le tour aujourd'hui des Sangaré, des Doumbia, des Ouattara, des Koumi. Aujourd'hui, la saison de moi n'a pas été au point. Oui. Non, je n'ai pas aimé. Attends, je passais chez les Koulibaly. Je n'ai pas aimé la saison de Koulibaly. Mais est-ce que quand on a fait carême, on a été envoyé sucre? Bon, où est le rapport? Mais si tu n'as pas envoyé sucre, il faut envoyer sel au moins. Je n'ai pas. Ils ont mis trop de sel. Chez les Koumi, il y avait trop de sel. Je les connais par contre, lui, il est tassé. Il m'a sauté avant tout parce que je crois qu'il va me négliger. Ah, maintenant, monsieur Sangaré, Sangaré, chez toi, mais je n'ai pas aimé. Pourquoi? Je n'ai pas aimé, tu sais la de quoi je parle. La viande n'était pas cuite. La viande n'était pas cuite. Ça ne voulait pas que quelqu'un mange. Nous, chez nous, on a d'accord, ok. Comment c'est que quoi?
Nous, on n'a pas mangé. On a fait ça à Mou, tout le monde est venu manger. Nous, on n'a pas mangé. On a laissé tout. Tout. En tout cas, on a laissé chez vous. Ah, nous, on n'a pas mangé. Toi, je t'ai promis, nous, on n'a pas mangé. Merci, on vous dit merci. À l'année prochaine. Parce que... Non. Nous, on n'a pas mangé, Lynn. Oui. Malgré tout ce qu'on a fait dans le pays pour les gens, là, les gens nous ont pas invités ce matin. Oh. Mais demain matin, gare à vous. Si vous nous appelez, on a fait même pour un service quelconque. Regarde, ma chérie, on a fait même carême. Les fatigués ne t'ont pas appelé? Ils m'ont pas... Les fatigués ne m'ont pas appelé. Ah, comment vous avez fait pour vous, vous avez appelé quelqu'un? Ils ne m'ont pas appelé. Vous avez appelé quelqu'un? C'est dommage. Les Youyou ne m'ont pas appelé. Ça, c'est dommage. Nous, les Deka ne m'ont pas appelé. Moi, encore, on m'a appelé, mais la vie n'était pas cuite. Et puis, avec trop d'huile dans les... Ok. Oh, maman, oui. Les mailles, ils ne nous ont pas appelé. S'il vous plaît. Vous avez appelé quelqu'un après? Les mailles, ils ne nous ont pas appelé. Je viens nous dire que. À comportement les de Dakar. Pâques, réaction de Ramadan. Pâques, voilà. Et puis pour nous, il y a un deuxième tour. J'ai dit, il y a les choux. On ne parle pas. J'ai dit, il y a les choux chassés qui nous ont pas appelés. Ah, 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 ça c'est grave. Okay. C'est grave. Ça, c'est d'accord, grave. Donc on a jeudi. Prenons-nous mal en patience. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et aujourd'hui, on fait un clin d'œil à la fête de Ramadan avec une invitée de taille. On aura aussi la minute Massa, bien évidemment. Et comme Patricia l'a dit tout à l'heure, avec elle, vous aurez le selfie paparazzi d'Arka DJ et Abraham le Merveilleux s'occuperont de l'ambiance sur ce plateau. J'espère que vous avez mis votre téléphone de côté parce que tout à l'heure, le débat sera houleux, le débat sera chaud. Palpitant. Très palpitant. OK. Merci beaucoup. Allez. Installons notre invité maintenant. À cause de sa personnalité mi-citron, mi-raisin, elle s'est fait à la fois des amis et des ennemis, il faut le reconnaître. Néanmoins, tous sont unanimes et convaincus qu'elle reste l'une des voix les plus stridentes, les plus maîtrisées, les plus célèbres de la Côte d'Ivoire, en général, mais en particulier de la musique mandingue. Famille, s'il vous plaît, merci d'ovationner très fort la diva Afou Keita. Ok. Ouais. Ça, c'est pas petit travaillement. Elle est en train d'apporter le boubou comme ça, elle me disait « Calme-toi, on va se calmer un peu, on va se calmer un peu. » Ok, en attendant que la mère Afou Keita ce soit là, franchement, il me laisse saper. Elle est... Oh, oh, oh. Tu vois le bazin? Non, c'est, là, c'est 8, yeah. C'est 8 kilomètres de bazin. Non. Je crois que, non, avant de faire rentrer Afou, hein, elle a dit que sa griotte, toi, l'a dévancé. Ah. Je n'avais pas compris le système. Ciao. Ok. Je ne savais pas. Quand une reine arrive, on la dévance. On annonce correctement. Ça, c'est... Moi, d'accord. Je vais t'appeler. Ah, ça, c'est vrai. Alors, celle qui va nous rejoindre là, elle est actrice. Elle est chanteuse, animatrice, aussi chroniqueuse. Meilleure humoriste de son état devant l'éternel. Merci d'accueillir Prissy, la dégameuse. Aïe. Aïe. Ah. Ça va? Je dis, excuse-moi. Je n'ai pas bien mangé, on m'envoie chaise 4 étages. Mais ça, c'est quelle griotte qui s'est plainte comme la, ça? La, tu vois? Vous n'êtes pas trompé. Elle et moi, on a eu le même problème aujourd'hui. Invitation, les gens ne vont pas donner là. Mais ça, c'est une griotte qui n'a pas mangé, tu n'as pas qu'à changer de comportement. Tu vois? Non, vous dites, suivez les débuts. Je n'ai pas mangé. Si elle avait bien mangé là, tu allais voir son entrée. C'est pas parce que je ne me plains pas, mais vous savez que je suis ma patronne à fou. Et vous savez que ma patronne là, quand elle sort comme ça, elle sort et tout. Uh-huh. Parce que le temps, on va mettre chaîne, le temps, on va mettre maquillage, le temps, on va mettre sac, on va mettre bijoux, on va mettre travaillement. On est arrivé chez les gens, ils ont fini de manger là. Voilà pourquoi je comprends. Voilà. Ça, c'est des non, tu as raison de te plaindre. Tu as raison. Elle est là, elle est en train de mettre les derniers accessoires. D'accord. En tout cas, bienvenue. Merci. Ça va bien? Ça va. Ah, super. Donc, comme ça, je n'avais pas mangé aujourd'hui. Personne n'était invité. Les djoulas d'Abidjan sont mauvais. Voilà. Les djoulas d'Abidjan sont mauvais. Ils sont pas comme les anciens djoulas. Tu sais, avant, les anciens djoulas, ils se promènent comme ça. Eux-mêmes, ils cherchent les portes. Vous mangez. Voisin, ça va? Voisin, je te donne un peu. Voisin, ça va? Je te donne un peu. Mais les djoulas qui connaissent TikTok deux jours là, aucune invitation. Je t'ai dit. Vous ne m'avez pas invité. Mais je me suis habillée, je me suis maquillée. Nako que le kadaï. Ça, c'est un proverbe italien. Je dis, ni ka farafina, ni ka sista. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, mais j'ai dit ça comme ça. C'est ce qu'elle a dit, là, c'est ça? Youzan, la situation compliquée. C'est ça. Alors, Prissy, qu'est-ce que ça fait d'être la seule humoriste sélectionnée au Massa? Ça ne me plaît pas. Aïe. Mais ils vont grouper sur moi. Ça ne me plaît pas. Et il est temps que mes soeurs se réveillent. Il est temps que vous réveillez les femmes.
Vous êtes beaucoup plus compétente, mais vous hésitez. Vous êtes parce que j'ai venu m'asseoir ici pour dire ça me plaît, ça ne me plaît pas. Parce que quand je me promène, je sais qu'on a beaucoup de femmes talentueuses qui sont capables de faire des scènes. Quand tu vas au Cameroun, tu en as, il y a au moins 77 femmes. Quand tu vas au Bénin, au Togo, mais chez nous ici, là, alors qu'on dit que la Côte d'Ivoire, c'est la place tournante. Hein? Donc cette fois-ci, pour le Massa, là, je serai seule. Mais le prochain Massa, dans 2 ans, là, je vous attends. C'est vrai. D'accord. Donc quand Pussy dit « je vous attends », il faut croire. Parce que c'est une bonne formatrice. Oui. Et voilà. Maintenant, vous qui l'avez regardé là. Donc après aussi, c'est pour aussi inciter, Pussy, voilà. Approchez là, dites « ah, la veille, mais on fait comment pour écrire, pour envoyer au Massa ?» Mais si tu restes dans ton coup, tu vas apprendre comment hein? Donc j'espère que ça, là, ça va le jeudi aussi, leur apporter une leçon. Caméra sur leur visage, un peu de fond d'éteint net et devient star. C'est pas ça seulement, il faut écrire aussi ces textes. Ah, justement. Comment vient l'esprit? Parce que je sais qu'avec toi, chaque spectacle, chaque histoire... Tu ne vas pas recoucher. Vraiment, moi, je te dis, tu es vraiment forte. Elle va se blesser. Elle est blessée. En tout cas, je te tire mon chapeau. Tu es forte. Le chapeau est tiré. Oui. Merci beaucoup. Comment tu fais? C'est M. Blé qui donne les infos? M. Blé, accompagné du Petit Soleil. Le featuring de ça, là. Imagine. Seigneur. Depuis là, il dit, c'était moi. Vous ne m'entendez pas. Voilà, maintenant, on sait Petit Soleil sur mon plateau. C'est qu'on ne me lance pas couteau, ça, là. Elle n'a pas dit mon côté, ça, c'est quoi? Elle saisit. Non, mais après, ce qu'on essaie de faire, c'est d'honorer les personnes qui nous font confiance. Parce que tout le monde a vu, ce n'est pas un secret de Polichinelle. On a vu comment j'ai commencé. Et au fur et à mesure qu'on arrive à, ben, comme on le dit, entrer dans la cour des grands, il faut mettre également le jeu qui va avec, il faut mettre la rigueur qui va avec. C'est pour ça qu'on essaie de professionnaliser son humour, son art. Et ça demande, comme Patricia le disait, ça demande de la rigueur, ça demande de l'écriture et tout ça. Donc c'est ce qui donne ce que vous voyez. Est-ce que Prissy a eu un coach? Parce qu'on sait que tu as commencé d'abord en tant que danseuse, après chanteuse. Et ça a évolué, chroniqueuse, tout ça. Est-ce que tu as eu un coach particulier? Qui ont été tes influences dans l'humour? Alors, j'ai la chance d'être autodidacte. Et puis, je suis le genre de personne qui fait ce qu'elle voit. C'est-à-dire que dès que je vois quelque chose que j'aime, à partir du moment où je me dis que je veux le faire, j'arrive à le faire. Je me donne vraiment toutes les cartes. Donc, j'avais déjà cette fibre-là. Et puis, naturellement, on a essayé de se professionnaliser parce que c'est important de se former. Oui. Donc, on est allé se former. On a eu aussi la chance de se faire encadrer par le grand frère Valérie Ndongo, par le papa Bamba Bakari. Et puis aussi tous mes frères, mes dévancés qui sont là. Je vais citer entre autres Magnifique, Ramatoula, et enfin, tous les dévancés. Oui. Donc, ça aussi, ça nous a aidés à nous perfectionner. D'accord. Alors, avant que tu nous invites au Massa de manière officielle, on va d'abord savourer ton talent. Maintenant, celle contre qui tu dois prier. Il y a un ministère là, tu dois intercéder. Parce que c'est le ministère violent. Ça, c'est le ministère, la ministre de la famille, de la femme et de l'enfant. Voici une ministre qui est dehors. Dès que ton mari la touche, elle est enceinte jumeau. Hey! Hey! Ma chérie, on ne te touche pas un peu. Laisse, il va faire, il va se retourner. Toi, tu prends grossesse là-bas. Et quand tu te renseignes, on dit qu'elle a fait 8 ans dans tes 15 ans. C'est quoi? C'est quoi? Quelle élégance! Son Excellence, Monsieur le Président, je suis venue ce soir pour vous dire une seule phrase. J'ai tellement entendu parler de vous et de tout ce que vous avez réalisé. On m'a dit que vous êtes fan de réalisation et de construction. Voici un chantier. Monsieur le Président, construisez dans ma vie. Construisez dans ma vie. Voici un chantier. Je dis. Me voilà ici. Monsieur le Président. Construisez. Deux touches humaines. Voilà ça. Monsieur le Président. Voici le stade. Je dis, je suis là. Sacré fils. Avec ça, avec l'extrait là, comment est-ce que je ne serai pas sélectionnée pour le Massa? C'est clair. Et pour ceux qui hésitent encore à venir au Massa? Déjà, le Massa, c'est le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Pourquoi? De par la qualité de l'organisation, des invités qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, hormis les autres registres qu'il y a,
pour l'humour, vous aurez la crème de la crème. Vous aurez Bapa Ouma qui nous vient de la Guinée-Conakry. Oui, qui est passé ici. Vous aurez Hissen également qui nous vient du Cameroun. Vous aurez Norma Isha. Vous aurez Welfa Kaya qui nous vient de la France. Vous aurez Caro, on parlait des femmes tout à l'heure. Caro qui vient de la France. Et vous aurez votre Tata Fifi, votre Maman Soleil qui sera là. Et les spectacles sont gratuits. Tous les spectacles au Massa, c'est gratuit. Tu viens, ton corps, tu rentres. Tu ne payes rien. Donc, tu imagines que tu viens, tu as la chanson, tu as la musique, tu as le slam, tu as l'humour. Tu as, je ne sais pas, bon, depuis que tu es à la maison, là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Voici un rendez-vous que tu ne dois pas manquer. Donc, il faut venir, j'ai envie, tous les Ivoiriens, pour ne pas dire tous les Africains, en tout cas, tous ceux qui vivent sur la terre d'Ivoire, les étrangers qui sont là-bas pour venir, toi, tu es ici, là, c'est toi qui n'as pas été déplacé. Et pour tous les artistes, c'est vrai qu'il y en a qui sont programmés, mais à ceux également qui ne sont pas programmés, donc on va dire les débutants ou même les artistes professionnels qui ne sont pas programmés, moi, je vous invite à venir parce que le Massa a fait venir près de 105 programmateurs. Oui. Donc, c'est des gens qui viennent acheter les spectacles, qui viennent acheter les artistes. Dans la ville, il faut forcer le destin. Ah. Ce n'est pas parce que tu ne t'es pas inscrit que tu n'as pas parti, on ne sait jamais. Tu peux te promener comme ça, le Nigeria, et puis méfier à même le roi. C'est ça, oh. Ah, faut rester chez toi à la maison et puis tu as dit qu'on ne t'a pas appelé et puis tu ne vas pas avoir... Non, mais c'est la vérité. Il faut venir tous les jours. Il y a des formations, il y a des rencontres B2B, il n'y a pas que les spectacles, il y a beaucoup de choses. Mm-hmm. Il faut venir et puis on ne sait jamais dans la vie. Ça, c'est vrai. Alors, quand est-ce qu'on retrouvera précis sur la scène humour? Alors, on me retrouve le 15 à Inch'Allah à partir de 18h. Mais il faut déjà être à partir de, je ne sais pas, 13h ou même 16h. Et on me retrouve le 18 au Palais de la Culture à la 1500 places à 20h. C'est bien. Merci d'être passé sur le plateau. C'était la Minute Massa. Et en même temps, elle a annoncé sa patronne qui est enfin prête. Elle est prête? Oui. Non, c'est maintenant que je l'ai annoncé. Passé. Voilà. Ah, d'accord. C'est comme ça, en fait. Quand BT va annoncer sa patronne maintenant. Ah non, mais c'est la griotte. Et maintenant, je vais annoncer la patronne. OK. Ah! Ma patronne, Yéna! Ni ma patronne là, Mousso Nyaramalo, ni ma Foukaïta là, c'est qu'il était à Abidjan hier. Si ses chansons, elle maîtrise. Si c'est Kéré, ah, Kéré, 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 les mains d'Aïcha Koumou. Foukaïta, annoncé ma sagrée, j'en prie, si la dynamique, il n'aurait pas eu une meilleure entrée que celle-ci. Aïe, maman fou, tu peux pas t'asseoir comme ça. Deka, sois les gars, musique d'or, DJ, musique d'or, musique d'or. Musique d'or. Ce que tu dis derrière moi, est-ce que tu peux le dire devant moi? Quand tu me vois, tu me souris. Autant derrière, tu me veux, tu me. Et pendant ce temps, je vais m'habiller. J'ai pas le temps pour les aigris. Quand tu me vois, tu me souris. Autant derrière, tu me veux, tu me. Et pendant ce temps, je vais m'habiller. J'ai pas le temps pour les aigris. Maman, tu fais oublié. Quoi derrière? Il est passé que sa griotte était là. Attends, c'est quoi toi? Ah là, maman, gagne. C'est bon?
Madame, monsieur, bonsoir. La seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Attends, maman n'est pas bien assise. Voilà, c'est bon. Voilà. Rien, hein. Voilà, c'est bon. C'est bon, super. On peut briller comme ça. Je te dis. En tout cas, bonne fête de Ramadan à vous. Ah, bien. Merci. Dieu merci. Alors, pour plusieurs qui l'ignorent, Afou, c'est d'abord Assita Keïta. Et à l'état civil. Moi, je veux savoir... Il n'y a pas Afou dans son nom? Non. En vrai, Afou, ça a été donné par l'une de ses tantes chez qui sa maman l'a déposé. Elle a tellement baoulé. Oh. Donc, c'est Afoué à la base. OK. Bon, Afou, ce n'est pas un nom mandingue. Non, c'est Afoué qui est devenu Afou par la suite. C'est ça, non, si je ne me trompe pas. Voilà. Maintenant, est-ce que tu es en contact encore avec cette famille? Belé, à l'état civil, c'est Nafouchata Keïta. Mm-hmm. Donc, comme j'étais en forme, étant bébé, maman partait chanter. Donc, c'est une femme baoulée qui me lavait. Oh, okay. Elle dit, mais attends, en tant que bébé du Lala, je l'aime ça, Adéni, à Kabou, hein, mais elle a se nommé Afou. Ah, d'accord, Afou. C'est dans ça que Afou est là. D'accord. Okay. Mais là, Afou, tu nous as servi au début du coupé décalé mandingue. Mm-hmm. Nous, on était habitués à ça. On est habitués à couper décalé mandingue des Afou. Maintenant, de quel coup tu es revenu encore dans le mandingue traditionnel, le mandingue classique? Il faut rester dans le coupé décalé mandingue. C'est à cause de toi, maintenant, moi, j'essaie de danser un peu. Mais c'est nous qui ne sommes pas dansés là. Ah. On fait un peu de départ. Nous, tout ça là, c'est coupé décalé mandingue. OK. Ça s'explique, non? Mm-hmm. Oui. Voilà. La musique, chez moi, je ne sais pas. Mm-hmm. C'est ma passion. Mm-hmm. C'est ma passion à moi. Donc, ça s'est imposé sur moi. Mm-hmm. Et j'assume. Oui. C'est pour dire que quoi? Afou, que ce soit du reggae, du yagba, mm-hmm. puis mandenk. Elle gère. Je gère. Yeah. Oui, elle a l'argent là. Elle gère. D'accord. Mais Afou, oui, elle a l'argent, tu gères. Mandenk, oui, elle a parlé aussi, tu gères. Bon, mais... Afou n'aime pas parler comme ça. Hein. Non, mais pourquoi toujours de tes chansons, André, ces chansons des palabres? Et toi, et puis José, vous êtes même, non, même non, papa. Non, hein. Non, non, non. Et c'est dans tes chansons, tu fais un règlement non, de non, compte. Non, 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 non. C'est parce que la vie est les tout gens, la vérité. Tu sais quoi? C'est comme tout de suite là, tu vas, on dit, boy, avant, tu as cette nuit de destin, non? Mm-hmm. Où viens? C'est ça. Voilà, tu t'en vas, il y a un coin comme ça, il y a un marabout qui est en train de prêcher. Mm-hmm. Il va dire un truc qui te concerne. Mm-hmm. Tu vas te concerner là-dedans, forcé. Oui, oui, oui. Mm-hmm. La chanson, c'est comme ça. C'est ça. Ouais. Moi, je ne prends pas chanson comme quelque chose d'injuste. Plutôt pour faire rire les gens, pour faire danser les gens. Mm-hmm. Chez Afou, c'est comme ça. Mais toi qui se sens concerné là, peut-être qu'il y a une phrase que j'ai dit, tu es dedans aussi. C'est ça. Oh, c'est d'accord. Ça. Mais là, Afou, je sais que tu as fait un featuring avec ta petite soeur, Marjane Fitini. Oui. Voilà, qu'on a reçu même sur ce plateau. Cependant, à quand notre featuring avec ton petit frère Mohamed qui moi, chante? Vu, oui. Si j'ai fait featuring avec tout le monde, chez moi, c'est Famille Jackson. Mm. Tu veux, tu viens. Bon, et voilà, on roule. D'accord. Ah, mais moi, pourquoi je n'ai pas connu cette chanson? Ça est sur YouTube. D'accord. Maintenant, Afou et la politique. Afou, tu n'as pas peur que certaines femmes... Sa photo est belle, d'ailleurs. La femme est belle. Elle est très jolie. Ah. Pour certaines femmes... Elle dit, je suis belle. Maman est belle. Elle est belle. Elle dit, comme elle est belle. Je sais que non. Mais c'est qu'on est là. Oh. Je suis belle. Afin de commander... Chaque jour, on nous rappelait qu'Afou en couple, hein. Ça fait 18 ans maintenant, 17 ans. 18 ans. Adama. Yeah, on le fait comme 18 ans. 18 ans. Tu as peur qu'on vole ton pays? Mais tous les jours, tu l'affiches un peu trop. Et qu'on peut voler, là. Et puis, ça va rester chez toi, là, tu connais. Aïe! Pour elle moi, va là, quand tu voles, là, je te laisse un petit temps. Et puis, elle s'apprend sa chose. Je vais matin seulement. Je dis bien, non, n'y a allons-y! Elle a un métier. Yeah. Tu parlais de politique. Oui. On y va, alors. Alors, hey, on y va. On est dedans. Pose plus de questions, là, c'est bon. Ah, OK. Posé. Aïe! Non. C'est trop facile. On est là pour dire tout. Wow. D'accord. Alors, tu n'as pas peur de perdre certains fans quand tu associes parfois ton image à certains hommes politiques du pays, tout ça, même parfois au président, quand on te demande de le défendre, tout ça. Quand on sait qu'il n'y a pas que les gens de ce parti-là qui te défendent, au fait, qui t'aiment, qui adorent ta musique. Moi, j'ai... Bon. Vous allez dire qu'il y a encore... Ah, faut qu'il t'a pas le mal. Yeah. Yeah.
C'est pas, il a provoqué à fond. Non. C'est pas pour parler mal. On s'est caché. Peut-être c'est mon français d'Abidjan là. Mm-hmm. D'autres vont prendre ça pour décortiquer à leur manière. Sinon, depuis à l'âge de 14 ans, le présent ado, le premier présent dans ma vie, il est le seul hein, à qui j'ai pris enveloppe comme ça pour aller voter. Il est présent, je l'aime. Il n'est pas présent, je l'aime. Donc, dans l'aime-l'aime, là aussi, il y a parti. On est comme chatis, ou pas ceci. Je n'ai rien à voir avec mais je suis libre comme poisson dans l'eau. C'est ça. Mais avant d'être avant d'être artiste. De faire ce que j'ai envie de faire. Donc, avant d'être artiste, tu es d'abord partisan. Voilà. Et quelqu'un qui adore le président. Merci. D'abord citoyen. Voilà. D'accord. C'est bien noté. Voilà. Souvent, il faut avoir des invités quoi, pour te recadrer. Il était pas là. C'est pour ça te remettre un peu sur le plateau. Il y a évité des tailles. Je te lève. Bon, je vais respirer un peu. C'est toi. Hein, avaler les balles perdues de maman Fouquita. Je vous laisse savourer son medley. Je suis belle. Wamazoni kiyase, kiyake banyango kulete beye. Mawono julale, alina kada ayafu fanama. Sabule, sabule, sabule. Comme ça. Afou a fait concert pendant que le bed l'est passé là-bas. Mais qu'est-ce que ça te fait de revoir à chaque fois tes clips? Avant, je t'aime, tu m'aimes là. C'est je m'aime qui était là d'abord. Ah. C'est ça? Ah, faut aimer d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. D'accord. Tu me plais comme ça dans mon Afou. Maman est belle. Elle est belle. Elle n'est pas mes négligés. C'est ça. Elle m'a donné. Là, c'est le débat. Pardon. C'est ça. Débat. La nouvelle femme est plus fraîche que toi. Ça doit faire peur ou pas. En outre, la nouvelle femme de ton mari, on considère qu'ici, vous êtes dans un foyer polygame. Mm-hmm. Donc, la nouvelle épouse de monsieur, on dit, Afou, elle est plus jolie que toi. Est-ce que toi, ça t'effraie? On dit beauté de... Je peux répondre? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Répète encore. Dis que Afou, là, tout de suite, la monsieur connaît. Ça va prendre une foule. Non, il ne faut pas prendre d'exemple. Ça ne prend pas exemple ici. Voilà. Prends exemple là comme ça ailleurs. D'accord. Quelqu'un là-bas. Quelqu'un là-bas. Il va prendre une femme. La nouvelle femme là. Toi, tu es la première. La deuxième qui arrive là. On dit elle est plus jolie que toi. Est-ce que toi, ça va couper ton cœur? Confiance parce que nous les femmes africaines il faut te dire que on est beaucoup comme on dit ça en bon terme de complexé. Faut jamais avoir de complexe. C'est ça. Avant moi j'étais grosse mais ça ne m'empêchait pas de porter mon polo et mes culottes, pas de paire de baskets et ceux qui avaient la même forme que Afou Keita à l'époque, tout le monde, quand je suis venue avec ce style,
Tout le monde sait, j'étais là. Il n'y a plus de complexe. Il n'y a plus de complexe. Mm-hmm. Tu vas comme... Bon, je prends un pays comme ça, comme Washington, D.C. Les femmes là, dans les plages là, si tu vois les femmes, tu as dit que c'est Tortue Ninja. Ce n'est pas leur problème. Hein. Oui. Ils sont dans leur maillot. Voilà. Ça se passe dans la tête. Pas parce que ton mari est parti prendre diable. Parce que c'est les diables. Apparemment, on dit c'est que c'est les diables qui sont jolis que nous. Mm-hmm. Hmm? S'il veut, là, il n'est qu'à aller prendre un doux pour venir installer. Du moment que tu n'es pas au même territoire qu'elle, là, ça se gère. Où tu sais que vous allez faire coup de tête, là, c'est là-bas que tu dois t'habiller. Aïe! Alors, à fou! J'ai dit que l'émission d'aujourd'hui va être choc. Tu mets ton houssou, l'endernier cri, quand tu... Toi, quand tu es venu... Mais quand tu... Mais on a senti... Il a senti le truc. Même quand je dansais là, Même quand je dansais là, j'ai pris l'odeur. Mais Afou, tu n'as pas peur aussi que c'est vrai, hein? Elle, tu vas te saper tout et tout. Mais puisqu'elle est fraîche que toi, c'est elle qui va prendre pour sortir. Quelle fraîcheur où tu cherches à pas climatiser là. Après neige là, c'est qu'est-ce qu'il y aura débat. Est-ce qu'il y aura débat? Est-ce qu'il y aura débat? Il dit que, mais imagine, il soit elle, maintenant, il ne sort plus avec Attends. Toi. Toi, tu es plus clair que moi. Oui. Tu es plus clair que celle. Oui. Mais si on dit tout de suite, là, qu'on a qu'à aller à l'hôtel et voir qu'il y a un ministre là-bas, il nous attend avec 50 millions. Oui. Mais on va dire que c'est toi, il faut rentrer d'abord parce que c'est toi qui es premier. Oui. Non, je ne te laisse pas rentrer. Oh non! Tu as dit que j'aime ta démission. Ça, c'est une faiblesse. Mm-hmm. Hein? D'abord, Tu es frustré parce qu'elle a un joli teint. Tu es frustré. Non, moi, je te dis, non, j'ai pas de chance. Je vais même pas te donner ce temps-là pour me devancer. Je vais aller, lui et moi, on va parler d'abord. C'est que là ce qu'on doit faire, là, on va faire. Et puis chacun va se libérer. Et puis tu vas donner pour moi avant que je vienne vous faire signe. Rentrer. Yézy! On appelle ça un excès de confiance. Oh. Merci beaucoup. On va maîtriser le sujet. Avant de finir de parler, le débat est clos. Alors. Oui. Oui. Je sens que je suis très seul ici. Mm-hmm. On t'a même pas adressé la parole, homme. Monsieur. Bah, non, j'arrive vers toi pour me sentir un peu à l'aise. Oui. Parce que là, je suis là, je vais me mettre à côté d'Eka. Voilà, pour avoir un soutien masculin. Ouais. Oui. Alors, pour réagir donc sur le thème, si tu as une femme. D'amour. Que tu prennes une autre fraîche, il faut que l'autre ait peur. D'amour. Parce que quand une vieille voiture est là, que pour démarrer, il faut la pousser. Cholo. Il faut faire pour pouvoir démarrer. Cholo. Et quand une autre voiture qui arrive, où il y a start, démarrage start. Ah là là, c'est qu'il y a problème. Awara. C'est qu'il y a problème. Attends, si je comprends bien, c'est vous les garçons, alors. Qui criez ça? Qui criez ça, oui. Non, les crèches. Non, tu viens de donner une. Une quitte là, tu nous bats. Tu ne veux pas, maman. Non, tu viens t'arrêter, tu viens en face. Viens ici pour assumer ce que tu dis. Viens, donc. Viens. Mais tu ne penses pas que. D'accord, viens. Hey, maman, il faut qu'il t'a raison parce que. Hein? Donc, dans ce cas, c'est vous les garçons qui nous mettent en palabre. Non, on ne vous met pas en palabre. Mais lorsque il faut avoir. Lorsque tu vas chez celle-là, tu vas dire que non, il faut qu'il ne s'est pas préparé. Quand elle se lève matin, c'est pour se laver, faire maquillage. Oh, elle a pris sa voiture pour partir. Elle est comme ça, pour pouvoir la séduire. Mm-hmm. Non, moi, je ne non, la non, séduis non, plus. Attends. Maman. On va aller lentement et sur le moment. Allons doucement. On est là comme ça. Allons doucement. Ah, tu peux déposer mon micro d'animatrice. C'est un fou qui gère. Attends. Je suis là. Oui. On va aller lentement et sûrement. Mm-hmm. Oui, oui. Lorsque tu te rends chez elle, c'est mon... D'après les djoula, ce n'est pas mon vrai comportement qui s'en va là-bas. Ce qui est tout ce qui est mauvais, là, c'est pour moi là-bas. Elle aussi, tellement qu'elle est chargée de ça, elle vient gérer son foyer. Elle ne vient pas pour gérer son foyer. Elle vient maintenant pour venir se comporter. Là, on lui a dit qu'elle ne sait pas s'habiller. C'est ça. Il faut que je m'habille pour la montrer que oui. Et pourtant, c'est le contraire. On dit qu'elle ne s'est pas fait lessive. Attends que je vais laver bien les draps de mon mari. Mais attends,
Moi, j'ai fini de laver, peindre, presser, et comment on appelle, repasser tout pour mettre dans mon placard dressing. Ah, c'est vrai. Donc, du coup, ok, je prends un appel. Ah, oh. Monsieur Lonzo, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, par la grâce du Seigneur, ça va. D'accord. Et vous? Ça va bien. Bonne fête de Ramadan à vous. Merci, bonne fête de Ramadan aussi à vous. Alors, pour vous, est-ce que la nouvelle femme, est-ce qu'on doit s'inquiéter lorsque la nouvelle femme est plus fraîche que l'ancienne femme? Oui, on doit s'inquiéter. Merci, mon frère. Merci, enfin, oui, quelqu'un qui me soutient. Attends. Pourquoi écouter? Vous savez, je vous explique. Oui. En amour, c'est l'extérieur qui attire. Mm-hmm. C'est l'intérieur qui tient. C'est ça. Mais que fais-tu du comportement, du caractère? Que fais-tu de tout ceci? Oui, c'est ce que je dis. D'abord, il faut être attiré. Uh-huh. C'est l'extérieur qui attire. Donc, pour toi, si elle est plus fraîche, là, tu as pu t'intéresser à la deuxième et à la première. Bon, il y a de fortes chances. Hein? Oui. Oui, 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 parce que l'homme, il fonctionne par les yeux. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur Alonso. Tout arrangement, il y a un dérangement. Patricia, oui, ma chérie. Depuis, je t'ai pas entendu, dis-moi. Non, mais en fait, c'est tellement clair. Moi, je pense qu'il n'y a même pas de débat, en fait. Mm-hmm. Quand on me dit que la femme qui rentre dans le foyer, je veux dire celle qui arrive nouvellement là, est tellement fraîche que je dois avoir peur. Je dois avoir peur de quoi, en vrai? Je peux avoir peur. Je rejoins un peu les propos de maman Afou Keïta. Déjà, je m'accepte telle que je suis. Déjà, j'assume mon teint. J'assume ma forme, j'assume ce que je suis déjà. Donc, mais Patricia, il faut travailler tous les déjà week-ends dans la avec tête. Toi. Il va aller chez les boss avec la nouvelle femme. Justement, avec la nouvelle femme. Il va là-bas, là. Avec ta tournée canabée, ma il n'a qu'à partir. La bien matière. Il part pour le week-end, là. Si c'est pour ça, attends, Abraham, il faut te taire, Abraham. Mais Abraham, attends d'abord. Tu n'as pas peur de perdre ta place de princesse. Je n'ai pas peur de perdre ma place. Il a vu, non? Oui. En tout homme, là, il y a cette chose-là, c'est-à-dire qu'ils ont toujours envie d'aller découvrir, c'est d'aller voir ce qui est dehors. Et comme c'est comme ça, il faut aller voir dehors, monsieur. On dit, c'est pas dehors, c'est à la maison. Aller... Non, c'est parce qu'il a vu dehors qu'il veut l'emmener à la maison, non? Oui. Quand tu vas finir de tourner dehors, là. Mais attends, ma chérie, oui. Tu vas qui? Ah, moi, dans la maison, dans la maison, là. Non, non, c'est non, pas dans ma maison. Si tu veux assumer. Tu prends sa maison. Tu prends sa maison. Non, mais. Et quelle vie là-bas? Vous êtes deux femmes. Maman, justement. Vous êtes deux femmes. Et puis, mm-hmm. Voilà. D'accord. Mais donc, voilà, Lynn. Même pas qu'elle va me saluer. Lynn, ok. Lynn, alors, je viens, Patricia. Il faut que je termine ça. Hein. Oui, rapidement. Okay, ok, rapidement. Non, non, va, tu vas venir. Ok. Monsieur Florent, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Florent. Madame Lynn, bonsoir. Bonsoir, monsieur Florent. Bon, lui, va saluer tout le madame monde. Madame et monsieur Sangaré, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, l'invité. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur Florent, est-ce que la nouvelle femme peut effrayer l'ancienne, la première? Bon, moi, relativement, elle ne peut pas effrayer la première. Voilà. Il n'est jamais du merci. Bon. La beauté est relative. Mmh. Merci. Il y a la beauté physique et la beauté mentale. Mmh. La première avait cette beauté physique qui a attiré l'homme. Mmh. Alors, si il veut arriver, la première est toujours devant. Mmh. J'ai fait les trois beaux jours hein, de cette beauté-là c'est avec ça. La première et la seconde arrière. Alors, c'est est-ce que, pour autant, est-ce que, comment on appelle, jouer sur la beauté de la première? Justement. Ah, j'ai toujours un second plan. Mmh. Je trouve beaucoup d'amour avec la première. Mais là, pourquoi tu as pris la seconde Florent. Pour rentrer alors oui. Mais là, pourquoi okay. Tu as pris la seconde pour rentrer pourquoi alors tu vas mettre ton doigt dans mes elle, yeux non, hein. Écoutez-moi. Et si elle, ton doigt dans mes attends, yeux attends. Hein. Si ouais. Elle, si elle, tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas aussi, pourquoi tu l'amènes à la maison alors hein? Je n'ai pas dit que je ne l'aime pas. Je dis cette beauté que j'ai vue là, j'ai vu ça premièrement et j'ai envoyé chez moi. D'accord. Nous, les garçons, comme toi, Sangaré, tu n'as jamais sacrifié. C'est ça. Tu as pris encore une autre femme. D'accord. Alors, mais monsieur Florent, en vrai, la première épouse qui est très belle, honnêtement, oui. Est-ce qu'elle ne ferait pas... la deuxième épouse, uh-huh. Est-ce qu'elle ne ferait pas réellement la première femme? Quand on sait que quand un homme est attiré par des couples, il est capable de te vendre ta maison. Il est capable même de signer, changer ton propre nom de changer ton nom. Donc, normalement, là, elle doit s'inquiéter. Je mets Kouadio Keïta. Elle doit s'inquiéter parce que la beauté d'une femme... peut faire changer les objectifs d'un homme. Tranquillement. Donc, normalement, là, la première doit s'inquiéter. Paye la première. Salut, moi. Je suis d'accord.
La première des fois se faire inquiéter. C'est une mission, elle est en train de tomber. De garder la beauté de la deuxième. Oui. Et puis elle se fait inquiéter. Mais écoutez, sa vie, comme sa porte ne serait pas encore sécurisée. Il est où? En temps, elle doit avoir le sexe facile pour le fait qu'elle se fait inquiéter par la deuxième qui arrive. Ok, merci bien, monsieur Florent. Merci bien, monsieur Florent. Oui, je voulais terminer. Je disais donc, il faut faire un travail de développement personnel déjà. C'est le fait de s'accepter. Là, tu as soulevé un problème. Tu as dit, quand il va dehors, c'est parce qu'il a vu quelqu'un, il a aimé. Les hommes, là, il y a toujours ça. Tu peux toujours courir pour aller voir. Tu dis, je m'en vais voir. Tu t'en vas voir pour venir, mais tu ne restes pas là-bas. D'accord. Et si tu veux, tu restes à la maison sur le côté. Ma chérie, pardon. Oui. Et les hommes qui sortent avec leurs profits. Ouh, c'est grave. Alors, justement, c'est grave. Alors, quand on dit bien ici que la deuxième est plus fraîche que la première, est-ce que ce n'est pas la preuve déjà même que c'est parce que la première a peut-être perdu un peu de son charme? Sinon, tu l'aimes réellement, donc elle n'a pas s'inquiéter. Et c'est parce qu'elle a en plus même qui dépasse la beauté extérieure que elle est encore dans ta maison. Sinon, normalement, si elle devait s'inquiéter, tu allais la chasser depuis le début. Oui. Mais quand tu sais que, honnêtement, hein, soyons honnêtes, quand un homme garde encore sa première femme pour aller chercher une deuxième, c'est parce que la première, elle fait le poids. C'est parce qu'elle pèse dans la balance. Ou bien elle pèse. Donc normalement, je ne vais pas m'inquiéter. Non, attends. Elle pèse. Mais tu sais, même dans la cuisine, les mamites qui sont dans la cuisine, là, il y a des mamites qui ont préparé jusqu'à... Et puis un matin, on va acheter de nouvelles mamites. Pourquoi on achète de nouvelles mamites? C'est parce qu'on ne veut plus, on ne veut pas vraiment abîmer la première mamite. Donc, on achète d'autres mamites pour préparer... Donc, justement, c'est un amour éphémère. Donc, la première n'a pas assez quitté, tu vas revenir à elle. Mais si la nouvelle mamite fait beaucoup fait de bonnes sauces. Les anciennes mamites font toujours des bonnes sauces. Ouais, mais on utilise ça rarement. Merci beaucoup, c'est fini pour le débat. Merci, avocat. Non, là. Elle est dépassée. Nous, on a confiance en nous. Ça, là, ça coupe pas que. Il y a tous les arguments, il y a tous les venue, là. Pourquoi le monsieur revient? C'est comme la déposer après. C'est comme ça. C'est elle va venir, elle va sortir. Elle vient, elle sort. Elle vient, là. C'est comme ça, elle s'en va. Aïe, si la bille là-haut, cognons moussoubé, nana. C'est comme ça, on va l'accompagner. C'est comme ça aussi, on va l'accompagner. C'est tout. Aïe, si la bille là-haut, cognons moussoubé, tarala. C'est tout. Improvisation, voyez là-bas. Merci bien, c'est fini pour le débat. Toi, vous connaissez la conclusion fétiche, hein, les goûts et les choix ne se discutent pas. Donc, libre à vous hein, d'être effrayé ou pas par votre nouvelle co-épouse. Ici, là, ça se discute bien. Eh bien. Cette fois-ci, et si on allait écouter un peu Patricia avec son invité du jour, l'unique, en mode selfie paparazzi. Ça vous dit? Super, c'est parti. Salut mes selfies spectateurs, vous allez bien, je l'espère, moi ça va, vous avez remarqué que je suis à mi-chemin de mon maquillage, mais j'étais en train de me maquiller quand je suis tombée sur le monsieur, je dis mais faut que je l'attrape pour vous, on a trop de béret sur lui, bah il est là, il est avec nous, le seul et l'unique. Coucou, ouais, ça le Kelepé, comment ça va? Bon, ça va bien. C'est vrai, toujours on t'appelle le Kelepé l'unique devant les gens, moi je sais, mais pour les gens à l'état civil c'est... Oui, son Jean-Jacques. Gros baoulé aussi. Vrai baoulé. La fin de Pâques s'est passée comment? Ça a été dans mon village, vraiment, on a dansé à gorge, on a maillé. Ça s'est bien passé. C'est où ton village d'ailleurs? Didier-Vie. C'est bien. Là, on est de retour à Abidjan. Dernièrement, là, on dit, mais le monsieur est passé où ça? On n'avait pas de tes nouvelles. Et Dieu merci, voilà. Depuis au moins 6 mois, 8 mois, tant que j'étais au mec, pour nous prendre au sérieux là. Non, je l'ai attrapé pour. Moi, je prends mon air sérieux, ben, je t'appelle. Tu faisais quoi? À Paris, d'accord? À Paris, sur les champs, je mangeais du caviar. Bon, ok, j'étais là, mais. Ça, c'est toi qui vois, hein. D'accord. Alors là, tu es de retour, ça nous fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive, une bonne nouvelle? Par exemple, un single, un EP, un album? Effectivement. La bonne nouvelle, c'est mon album qui sort très vite. Dieu merci. Un album de 12 titres. Qui s'intitule Troisième marche. Troisième marche. Troisième album. D'accord. Voilà. Et ça sort quand? La date exacte, on ne l'a pas encore, mais il faut compter d'ici 2 mois. Mais quand ça sort, tu sais que tu viens chez nous, non? Mais c'est... Tu viens sur la RTI, non? Non, on dit que c'est sorti là, c'est ici. Ah, d'accord. Mais en tout cas, très content de t'avoir revu. Bonne chance hein, pour les démarches concernant ton album. Et à très bientôt sur notre plateau. Est-ce que tu peux me permettre de te faire un bisou? Dans l'interview, là. Pardon. Merci. Les gars, à très bientôt.
Toi qui construis dans mon dos, c'est mon malheur, tu attends. Je suis béni il y a longtemps. Je vais fermer ta bouche. Toujours bien fait. Merci à toi, Patricia. Quoi dire? Alors là, tu te fais remercier. Avant remercier de remercier Fouquet-Itta d'être passé sur notre plateau, avant d'effectuer la conclusion, permettez qu'on souhaite un heureux anniversaire à un homme... Notre chef du plateau. C'est clair. Cédric Obosso, un homme grâce à qui il y a toujours la civilisation, il y a toujours, je veux dire, l'équilibre sur ce plateau. Cédric Obosso, s'il te plaît, viens. À chaque fois, il y a des chefs de plateau qui vont à l'intérêt. Vous vous donnez bien à... C'est lui. C'est lui. Voilà. Ouais, français. Voilà. Oh. Hi. Joyeux anniversaire. T'as toi chanté pour toi. Bosso. C'est ça. Joyeux anniversaire. Il n'est pas n'importe qui. Vous êtes un Bosso. Bosso. Merci beaucoup. Il y a un chef de plateau qui met sa faute, hein. C'est pas ça. On peut être plaqué comme ça pour l'anniversaire. Je vous avoue, Keïta, merci d'être passé. Bonne fête de Ramadan encore. À vous aussi. J'espère que tu as aimé. Beaucoup. Alors, à quand notre dernier pour 2024? Est-ce qu'il y a des concerts encore en vue ou en fin 2024? Ici, le 11, je suis à Paris. Où là? Au casino. Oui. Ah, c'est super. Le mois prochain, le 17, Inch'Allah. Je m'envole pour New York. Yeah. Wow. Mais la femme là, ça ne soit pas. Tu ne cherches pas une danseuse. J'essaie de danser un peu. Moi, je suis là au bagage. Dis non. Tu vas aller derrière ta femme. Voilà. Désormais, là, tu es devenu mon élément. Voilà. Tu as bien parlé aux femmes seulement. Voilà. On vous aime, on vous adore. On espère que vous avez aimé cette émission qui fait un clin d'œil à la fête du Ramadan. On ne vous a pris demain encore avec Patricia Kouadio et Abraham, oui. Le merveilleux. Merci, c'était Madame, Monsieur. Bonsoir avec Afou Keïta.